bonjour. Franchement, bien arrivé chez Paris. Voilà, comme ça on change un peu. Bien arrivé, ouais, je sais pas. Bien arrivé, bonne arrivée, bienvenue, bonsoir, Montparnasse, bienvenue, tout ça. Ah ouais, non, carrément. Et ouais. Ah, ça, c'est une déformation professionnelle. Aujourd'hui, on parle de Tempco. Ouais, salut Tempco. Aujourd'hui, on parle de Tempco. Tempco, marque reconnue internationalement pour ses pédales d'effet. C'est mondialement connu dans le quartier. C'est ça. Justement, j'aime trop cette expression. On va en parler, c'est le but. Parce que Tempco, en fait, alors, il y a marqué Nata Amplification, en plus c'est l'ancienne marque. C'est clair, ouais, c'est l'ancienne marque. On l'a eu il y a longtemps ce préamp. Donc en fait, Tempco, c'est une marque assez récente, hein, qui a été montée par Rodolphe Puccio. Impala Tube préamp, maintenant ça s'appelle la Gazelle. The Gazelle. Ça s'appelle The Gazelle. The Gazelle. Bon, il faut que je l'envoie pour un update cette pédale, elle est un peu vieille. Ouais, elle marche bien. Oui, elle marche bien. Tempco, donc monté par Rodolphe. Absolument, Rodolphe Puccio, voilà. Qui est un très bon ami, un ancien. C'est un ancien de chez Anasound. C'est voilà. Un ancien de chez Anasound. Bon, de toute façon, ils le savent parce qu'ils ont déjà vu la vidéo sur la Allbender. C'est vrai, et donc le mec est arrivé, il a piqué tous les secrets industriels et ouais. Il a monté sa vraie marque. Vous avez bien niqué, ouais. C'est pour ça qu'il y a une vidéo sur lui aujourd'hui. Voilà. Mais non, c'est Rodolphe, effectivement, qui a bossé chez Anasound il y a des années, ouais. Qui aujourd'hui est dans le coin de Paris, et qui du coup a monté Tempco. Alors Tempco, c'est Transistor Amplifier Company. Donc en fait, ouais, lui, son credo, c'est son créneau, son dada, si finalement, ceci n'est pas une pipe, c'est les amplis à transistor et la technologie à transistor beaucoup mieux. Il adore ça. Des tubes. Mais en fait, l'idée c'est alors que. Pourquoi il y a des tubes? C'est parce que, après avoir fait son stage chez Anasound, il a fait son stage chez Effectrode. Ah oui, d'accord. Oui, donc en fait, il a cherché un peu toutes les technos, il a touché. Mais son délire, oui, c'est vraiment le transistor. Voilà, son délire au départ, quand même, c'est quand même vachement le transistor. Donc ouais. Là, aujourd'hui, il nous a envoyé trois pédales, enfin, même si ça fait un moment qu'on les a, mais je veux dire, ça fait un moment qu'on va parler de trois pédales. C'est la première fois qu'on la branche, celle-là. Et franchement... Et je suis déçu de ne pas l'avoir fait avant. C'est surexcitant, voilà. C'est surexcitant. Qu'est-ce qu'on a? On a de la fuzz et on a un préamp. Oui. Tout ce que t'aimes, quoi. Là, franchement, on est bien. Alors, c'est vrai que le préamp n'est pas pedalboard-proof, dans le sens où il est grand. Il est grand. Il n'est pas bitoon-proof. Il n'est pas bitoon-proof. Ça se voit. Après, il a quand même mis un rail au cas où Julien s'énerverait. Non, mais ça compte mais pas. Mais Julien, il lâcherait la lampe. Oui. Donc... c'est son premier produit d'ailleurs, je pense. Mm. La The Gazelle, du coup. The Gazelle. Gazelle. J'adore le Gazelle. J'adore le Gazelle. Après, on a eu la Oh Darling qui est apparue. J'ai envie d'une corne de gazelle. C'est bon ça. Bah, il y en a pas loin là. Il y a un Tunisien qui fait ça très bien juste à côté. Oh Darling, c'est la deuxième pédale qui est sortie. Mm-hmm. Très sympa aussi, mais c'était un peu furtif. Tandis que là, pour la Allbender, je lui dis attends, viens, on en parle, on fait le lancement ensemble, mm-hmm. on se pose deux secondes. Et il nous a donné ça en exclu PALF. On peut d'ores et déjà dire que, autant tu vois par exemple, sur la Oh Darling, le design, moi c'est pas trop mon truc, c'est-à-dire qu'une plate comme ça qui est posée sur un truc où mais c'est purement perso. Ouais. Autant par contre la Allbender, je la trouve tellement sexuelle. Bah, t'as remarqué la forme? Ah ouais, mais... C'est la forme d'une Tonebender. C'est la forme d'un... Ah oui, non, oui, j'allais dire Non, mais toi, t'es pas un habitué de la Tonebender. Mais si, je la vois, le truc comme ça, qui fait qui fait le crayon. Eh bien, il a repris cette forme, voilà. C'est magnifique. C'est magnifique ou il est pas magnifique, ce Allbender? Magnifique, ce Allbender. Magnifique. On va découvrir un peu les autres pédales, parce que la Allbender, avec Julien, on a fait un gros épisode dessus, où en fait, on l'a comparé avec des formules AB. Génial. Donc ça fait toutes les versions de Tonebender, pour ceux qui débarqueraient. Sinon, regardez la vidéo avec la formule AB. Alors la Gazelle, c'est une pédale qui est inspirée très fortement du KTG-1 de Seymour Duncan. Je crois que c'est le KTG, hein. Ouais, c'est ça, qui est un préamp en fait. C'est un préamp, ok. C'est un préamp qui se contrôle par foot switch, etc. Et qui est notamment ce qu'utilise Jean-Michel Tame Impala. Jean-Michel Tame Impala. De son nom, Jean-Michel Juste Tame Impala, ça serait bien aussi. Oui, c'est vrai que j'aurais pu get away avec le fact que je ne connais pas le nom du mec de Tame Impala, juste en disant Tame Impala. Ouais, ok. En même temps, on n'est pas sur un Sony. Comme Tame Impala. Non, pas du tout. Donc, mais pour l'occasion, tu as quand même fait une petite loupe qui sonne dans l'esprit. Voilà, en fait, j'ai repris le riff de Mischief, je sais plus comment, Merde, attends, je triche, je suis très mauvais pour les titres. Ouais. C'est Mischief Guy. Encore une fois, ce n'est pas un sonné comme Tame Impala, donc on n'a pas... Mind Mischief. Ouais, on n'a pas mis les effets de modulation, et on n'est pas rentré dans la console comme eux font. Il y a un espèce de chorus dessus. Mais d'habitude, voilà, ça c'est... En gros, le mec de Tame Impala utilise ça en DI, en enregistrement, beaucoup.
enfin en tout cas un KTG de Seymour Duncan, et il entre directement dans la console via une DI ou quoi, dans la table, et c'est ce qui lui donne son son si particulier. Et là, sur un ampli, ça s'en sort super bien. On va écouter ça. Ouais, un peu. On réécoute ça. Alors, on a trois switches. C'est on quoi a ce trois switches. Là, c'est le bypass. D'accord. Que j'ai essayé d'appuyer. Là, tu choisis si tu veux. Tu vois la LED rouge, ça veut dire qu'on est en lead. Quand et là, elle devient verte. On est en clean. Donc j'imagine qu'on a une... fais voir. Oui, clean, volume... Et après, on a des gains et des volumes sur clean, en clean, etc. Ouais. Donc là, voilà, t'as bien résumé le truc. On a deux canaux. Canal clean, gain et volume. Mm-hmm. Canal lead, gain et volume. D'accord. Voilà. Une EQ commune et un master commun. Exactement. Voilà. En fait, c'est un préampli. C'est ça. Et il y a un boost qui est intégré. Je l'ai laissé always on parce que pour moi, en fait, ça change tout. D'accord. C'est okay. Trop bien. Allez, viens. Le son clair. Je peux dire quand même, sans mâcher mes mots, que ça doit être un des plus beaux sons clairs que j'ai jamais entendu. Il y a une forte compression, ouais, mais elle est magnifique. Bah, je pense à une compression du haut tube, c'est magnifique. Fais voir. Moi, ah, Rodolphe, c'est super beau. Déjà, comme ça, j'ai envie de te demander de faire une pédale où il y a juste ce son clair. Attends, mais... Oh là là. C'est vraiment c'est beau. C'est vraiment beau, ouais. C'est vraiment super beau. Ah, c'est dommage qu'on ait besoin de lampes, qu'on ait besoin de tout ça. C'est trop beau. Ça marche vraiment super ça bien. Ça marche vraiment bien, ouais. Claire. Ça compresse très fort, donc ça, ouais. c'est un fait. Ouais. En dehors de ça, ça apporte vraiment une couleur, genre... Ouais, ça, y a une couleur au son qui est magnifique. Ça donne une attaque qui est oufissime. C'est magnifique. En tout cas, ouais. Au ressenti, c'est super agréable. Ouais. Pas mal, hein? Ah, c'est très joli. Pas mal du tout, hein? C'est très joli. C'est pas du tout un truc que j'utiliserais, non. Parce que c'est un son crunch très, très agressif, mais... C'est particulier. Mais ça marche. En fait, ça a vraiment cette tonalité de préamp. Ouais, c'est ça que j'aime beaucoup. Ouais, c'est que t'es pas sur une disto, t'es pas sur un drive, t'as vraiment un grain de préamp. Ça casse un truc. Ça, comme dirait Julien, il y a du granulé. Il y a du granulé. Ça croque sous les dents. C'est ça, c'est tout ce que j'aime pas, mais c'est bien fait. Ouais, et t'as vu, alors je m'amusais avec. Par contre, il y avait plein de couleurs qui apparaissaient, c'est parce qu'en fait, il y a des boosts un peu partout là, à l'arrière. Très bien, très bien. Voilà, il y a des boosts un peu partout. Regarde, je te fais un accord et tu me triques. J'ai mis tous les boosts. D'accord, vas-y. Voilà, on peut aussi faire beaucoup de bêtises. Ça marche très bien. Je vais essayer de redonner un réglage respectable, parce que jusqu'à présent, ça allait avant que j'y touche. Je crois que c'était à peu près comme ça. Fais voir ce qu'on a là, s'il te plaît.
On a envie de jouer, hein. Ah, on a envie de fun croquer. Ouais. On a envie de faire des conneries avec ce on truc. On va éteindre ça, sinon on va jouer pendant toute la vidéo. Ouais, c'est clair. Ouais. Allez, on la débranche. Allez, on la débranche. Oh, puni, quoi. N'oublie pas que le but de cette vidéo, quand même, c'est de savoir si on a besoin d'une Tempco sur notre pédalboard. Ouais. Bon. Et après, Rodolphe, la section clean de ça, t'en ferais pas une pédale? Ouais, c'est ce que je disais dès le début, t'es d'accord. Ouais. Ouais, la section clean. Et je suis sûr qu'il y a un gros potentiel de préamp clean compresseur. Et il faudrait la faire avec des transistors, s'il te plaît, parce que les lampes, c'est pas bitoon-proof. Ouais, mais ça voilà. Sera pas pareil après. Ouais, je sais. C'est peut-être des lampes à transistor, on va savoir. Des lampes à transistor. Tu sais, t'as une belle lampe qui s'allume et en dessous t'as un transistor qui est branché. Qui en mode tiens, cher. tu faisais genre que t'entendais le haut médium de ma lampe. Non. La pédale suivante, elle combine une technologie à la fois à transistor, à germanium et à silicium. Putain, je bug. J'ai l'impression que t'es un peu comme ces vendeurs sur le téléachat qui. Tu sais, qui disent. Oui, alors d'après la nouvelle technologie 3713, ce nouvel aspirateur vous permettra. Parce que tu comprends, la nouvelle technologie brevetée te permet d'accéder à de nouveaux espaces dans ton appartement. En effet, il y a du germanium, des transistors germanium à l'intérieur. Et il y a du silicium. À quoi ça peut servir? Pour le chaînage, ça, je pense. C'est ce qu'il a dit, ouais. Je sais aussi que le nom O'Darling vient du fait qu'il doit y avoir un montage à Darlington à l'intérieur. D'accord. C'est un peu c'est comme deux transistors qui copulent. D'accord, ça me plaît. Ça fera d'autres transistors par la suite. D'accord, des bébés transistors. Ça fera des bébés transistors et surtout ça te fait beaucoup de gains. Mm. Voilà, donc il prétend que c'est un overdrive. Alors c'est une fuzz, non? Un préamp en fait. D'accord. Pour lui c'est un préamp. Viens, on écoute ça. C'est censé être un préamp et quand on va booster, ça va fuzzer encore plus. On a un switch, on en parle après. T'as quand même l'impression de garder ton son de base. Pour et moi. D'avoir ce côté un peu granuleux qui vient sur l'arrière. Il y a toujours mon clean dans le son. Ouais, pour moi. Sur ton clean. Ok, et en fait, ouais, ça doit être un transistor qui, du coup, en montant le drive, on le fait péter, quoi. D'accord, vas-y. Et on écoute. C'est beau. Alors moi, comme d'hab, hein, je fais un peu comme Julien, drive à fond, ça me plaît. Hein. Ouais, parce que moi, j'aime pas le fait qu'on garde le clean sur enfin, qu'on garde autant de clean qu'au départ sur le... Ouais, ok. Sur un drive, parce que du coup, moi, pour moi, j'ai l'impression d'entendre juste un truc qui marche pas, en fait. Parce qu'il y a le clean et tout. Mais je veux dire, mais en fait, le drive à fond... Le drive, c'est trop cool. Ouais, à fond ou dans le troisième tiers, en gros. En gros, il envoie comme ça, vraiment si tu veux. C'est l'heure de la pignole. Voilà, on peut faire ça si tu veux. Absolument. Ou comme ça, c'est mieux, je trouve. Moi, je le sentais. Ah là, ouais, c'est meilleur. C'est ouais. Ce qu'on appelle le sweet spot, quoi. Eh, hey, professionnel, monsieur. Je vais te montrer le sweet spot. Ça marche. Mais tu lui as ruiné sa marque. Ah, je suis désolé, Rodolphe. Là, tu lui as ruiné sa marque. Ça fait la... Donc, ça Rodolphe, t'as développé la pédale pour ceux qui veulent jouer ça, quoi. Bah, c'est tous les magasins doivent l'avoir, du coup. Retrouve la O'Darling dans tous les magasins de France. Dans tous les magasins où on fait Smoke on the Water pour tester une guitare. Ne faites pas ça. Ouais, est-ce que ça fait bien Stairway to Heaven aussi ou pas? Bah, bien sûr que non, vas-y. Thank you.
Non mais je refuse. Ouais, non mais... Non mais en revanche... Voilà. En revanche, moi j'aime bien parce qu'en fait, quand je me mets sur la position intermédiaire, ça me donne une espèce de... Tiens, rien. Je baisse un peu le drive volontairement. Ah. Et j'aime bien le côté que ça me... Merde, attends, du coup... Oublie pas le boost, hein. Non, attends. Si. Ah si, oui, non, si t'arrêtes. Tu vois, ça me donne un espèce de... C'est mortel. T'as pas envie de... Bah en fait, t'as un roll-off d'aigu. Donne trop envie de... Ouais, ça groove, j'aime bien. Elle groove la pédale. La pédale qui groove. La pédale qui groove. La haut grooveling. Darling groove. Bon. Alors, déjà, rectification, ça sert à rien d'éteindre le boost, voilà. On a un switch de voicing, et celui-là, je le trouve particulièrement efficace. Il a trois positions. Ouais, au milieu t'as tout le corps. Au milieu t'as le wide range quoi, t'as l'espèce de truc tout ouvert. En bas, on va écouter. En bas ça va creuser. Ça va creuser les médiums à fond. Donc si je joue juste un truc avec... Tiens, rien. Je suis sûr que c'était fait pour, c'est ce que t'allais dire. Le pauvre. Et en haut, ça laisse que les aigus, et c'est en, ça. Et en haut, bah, ça se coupe les mids, les mids, pardon, ça, les basses aussi. Les basses aussi, ça laisse passer que les aigus, quoi. Voilà. Un truc, c'est con, j'ai baissé la tone de ma gratte. C'est toujours bien. Je me suis mis sur le... Ouais, je trouvais ça rigolo. Ouais, c'est toujours bien. Ça marche super bien. Mais écoute, je baisse la tone, je me mets à fond là et... C'est hyper lisse, c'est tout doux. J'aime bien. Je sais pas comment ça rendra au micro. Tu aimes bien quand c'est doux? Moi j'aime quand c'est doux. Ouais. Bon, en fait c'est bête, mais c'est beaucoup plus agréable de jouer le voicing du milieu parce que on a le son entier. Mais concrètement, c'est peut-être le voicing du haut qu'il faudra dans un mix ou dans un groupe. Dans certains cas de figure, c'est clair. Mais ça reste utilisable en entier. J'ai dit que ça laisse passer que les aigus. Non, ça laisse le reste. Non. Mais en fait, ça les met en avant les aigus. Oui, d'accord. C'est ça l'idée. Ok. Bon, là, Darling, c'est cool aussi. C'est validé. Ok, donc Rodolphe, pour résumer, tu nous fais le clean de la... Voilà, en format pédale sans lampe, hein, parce que les lampes, on n'en veut pas. Là, au Darling, tu changes rien. Et l'Allbender, tu changes rien, mais ça, ils savent déjà pourquoi. Je te propose d'écouter ça. Tu n'as pas essayé, toi? Une tone bender? Non, j'ai pas essayé une tone bah bender. Bah non, bah en fait, j'ai pas essayé. Je vais t'expliquer tout ça. Alors, t'as quatre versions. La 1, la 1,5, la 2, la 3. On commence par la 1. On commence par la 1,5. Normal. Parce que c'est une first face. D'accord. Enfin, la first face, c'est une 1,5. Ça, tu reconnais. C'est comme ça que je t'ai... Bravo. T'as fait ta bêtise. À vous, t'as kiffé. Oui, ça va. C'est honnête. J'étais avec mon café, tout allait bien, tu vois. T'étais pas prêt. J'étais tout sauf prêt. Donc ça, c'est la version 1.5. Ouais, elle est vers la 1. Il faut l'activer, du coup. Voilà. La 2. Et la 3.
attention. Voilà. Ah, c'est pas mal, hein. Bon, c'est la meilleure pédale qu'il ait fait jusqu'à présent. Bravo. Tu trouves ça super, ça? Ah, moi, je trouve ça génial. Parce que j'ai pas de comparatif de Tone Bender, je veux dire. En fait, tu explores toute l'histoire de la Tone Bender avec un rotatif. Putain, c'est classe. Je t'avouerai que la Tone Bender, enfin la All Bender, du coup, je peux pas m'étendre dessus en termes de critique constructive, puisque c'est à peu près la seule référence que j'ai dans ce genre. Alors, tu verras la vidéo avec Julien. Mmh. Ce qui est formidable, c'est que comme il a pas utilisé les transistors germanium, mais tout en silicium. D'accord. Tu as des nouvelles fonctionnalités qu'on n'avait pas avant. Ben par exemple, le clean-up de la version 1 marche. Ah, vas-y. C'est pas le cas dans l'original. Voilà, ça c'est un truc déjà que tu ne peux pas faire avec la version 1. Je trouve que tout est super bien calibré. La version 3 me plaît, alors que d'habitude, ça me plaît pas. Mm-hmm. Non, c'est une pédale qui est formidable. T'imagines pour un truc voilà, fait en France, 200 balles, avec toutes les Tone Bender. Oui, d'accord. C'est formidable. Oui, ok, très bien. Enfin, fait en France, donc moi, c'est... C'est pas un argument pour ça, fait en France. Je vais te faire taper. Ouais, tu vas te faire taper. Ouais. Je suis le premier à taper, d'ailleurs. On va régler ça juste après. Ah, c'est bon de taper. Ouais, ah, je fais comment? Si tu devais en choisir qu'une, avec quoi tu repartirais? Le canal clean de ça. C'est vrai que c'est formidable. Moi, je partirais avec la All Bender, parce que c'est déjà le cas, je suis reparti avec. Ouais, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est ma All Bender, pas touche. C'est juste, c'est super bien. Là, il a fait un super boulot. Tu vois, je me rappelle essayer la O'Darling il y a peut-être un an même, quasiment. Ouais. Chez Palf. Et je l'avais pas kiffé pareil. Non, il faut l'apprivoiser. Ouais, en fait, là, maintenant que j'ai un peu plus l'habitude que tu me mets plus des trucs qui ont aucune forme de respect, je commence à apprécier le manque de respect. Tu insinues qu'on est dans le manque de respect total. Complet, mais dans le bon sens du terme. Mais, oui, mais en fait, j'ai envie de dire, c'est un peu comme un Pokémon, une fuzz. C'est-à-dire que tu le fais évoluer, faut l'attraper, faut l'adresser et tout, tu vois. Maintenant, voilà, on sait que c'est un pro du transistor. Vers quoi on pourrait lui demander d'aller? S'il était là devant toi, tu lui dirais: Rodolphe, voici la pédale de mes rêves. Je pense que ce serait cool d'aller vers un overdrive. Plus. Ouais. Alors, c'est horrible ce que je veux dire, pas plus classique dans l'esprit, parce que tout le monde fait ça. Je vois où tu veux venir. Mais un truc qui soit plus. Parce que là, on est dans l'ordre des fuzz quand même, voilà. Du truc qui salit super sévère. Ouais. Et est-ce que ce serait pas intéressant d'avoir un overdrive qu'on pourrait mettre après avec un peu de gain pour dompter ces trucs-là, alors, par exemple? Il y a deux pistes, en effet. Tu pourrais avoir un overdrive. Alors, ouais. Moi, déjà, je sais que c'est un pro du transistor, donc Rodolphe, moi je sais qu'il y a un truc qui m'a toujours fait galérer, c'est d'avoir un bon son avec des gifettes. D'accord. Dans le sens où les gifettes ça sonne bien, mais il y a souvent trop de bruit. Mm-hmm. Et il y a un challenge autour de ça, je pense. Peut-être qu'il faut juste pas utiliser de gifettes, mm-hmm. Hein, je sais pas. Mais je trouverais ça cool qu'en effet il te fasse un low gain. Et même carrément, il y a un style de son, tu vois un peu le son la Lenny Kravitz. Oui, are you gonna go my way? Tu vois ce son ultra saturé. C'est un son d'ampli. Hein. Ces trucs dégueulasses. Ouais. C'est vraiment sale. Mais ça, c'est un son d'ampli. Tu sens un peu comme le décollage de fusée sans avoir un flanger. Ça, c'est marrant, j'aurais cru que c'était de la fuzz. Ça. Non, ça l'est pas. D'accord. Et même un son un peu à la Gilmour, mais sans aller dans le côté Big Muff, tu vois. Mm-hmm. Tu vois, d'avoir des sons vraiment très saturés de disto, mais qui s'inspire des amplis sans être pour autant un préamp. Ouais, je comprends. C'est un peu la galère, ouais. Et on est souvent déçu par les pédales en format... les distos en format pédale. Ouais. Donc ouais, moi j'aimerais bien qu'il aille dans cette direction. Moi je suis curieux de ce qu'il va sortir en ampli. Parce que... Enfin, Transistor Amplifier Company, quoi, le nom de ça. Ouais. Ouais, il va faire des amplis, hein, un jour. Pedals and Amplifiers, ouais, c'est ça. Non, mais je trouve ça réussi. Oh, la All Bender, elle est vraiment super. Il risque d'en vendre des amplis aussi. Ça risque d'être bien, ça. Oh merde, va en falloir un pour ici. Ouais, va falloir un pour ici, Rodolphe. Non, mais je trouve ça très bien. Et en fait, tu vois, par exemple, la All Bender, pour un premier contact pour moi avec la Tone Bender, bah, du coup, c'est pas un truc que j'utiliserais moi, parce que c'est pas du tout mon style. Du tout là, on est sur quelque chose qui est à l'opposé de mon style, mais c'est intéressant aussi de voir. Il y a beaucoup de choses à l'opposé de ton style. Non, on en parlait en jazz capuche. Oui, non, mais le mec, moi, j'arrive, je fais du hip-hop, du gospel, de la funk, R&B, tout ça. Vas-y, j'ai des fuzz pour la toi. La pop, le mec, il arrive, il me dit, viens, on fait du doom, viens, on fait du. Ouais, ben oui, d'accord. Ah, bah oui, hein, c'est pas. Ah, bah oui, c'est dur, c'est
Balf. C'est dur. Concrètement, je trouve que par exemple, la Hallbender, pour quelqu'un qui a un premier contact avec la Tone Manor, c'est juste tellement bien. Ouais. Parce que grave. Tu les as toutes et franchement, ça marche à mort. Alors, encore une fois, j'ai pas trop de références là-dessus. Mais en fait, c'est parce qu'on l'a un peu poussé là-dedans, dans cette direction, parce qu'on voulait qu'il nous sorte un truc comme ça. Il avait sorti un proto avant qui s'appelait la Multibender. D'accord. Oui. Où t'avais un peu ce principe-là. Et en fait, là, c'est un produit commercialement qui est intéressant. Les autres produits qu'il a fait jusqu'à présent, Rodolphe, je trouve qu'il a cette exploration en fait dans le son. Il cherche pas à faire comme tout le monde, donc c'est génial. Clairement, là, on n'est pas sur un truc comme tout le monde. Ah non, clairement pas. Mais en même temps, c'est bien un moment de se rapprocher quand même du besoin des guitaristes. Donc oui, une Fuzz Face, un Tube Screamer, un Clone Center. Voilà, salut. Voilà, comment cool. Faire des millions. Tu vois, par exemple, moi j'ai envie de riffer comme ça en fait. J'ai envie d'arriver avec cette pédale. Là, tu vois, je lui verrais bien un petit delay derrière. Ouais, grave. Un peu le delay, genre. Et un overdrive transparent. Un delay avec les répétitions, surtout. Et un peu plus étouffé, vu que c'est très brillant. Ouais. Ouais. Parce que là, vraiment, t'as de quoi. Par contre, c'est trop cool, quoi. C'est énorme. Bon, t'as mon mi, je l'ai attaqué tellement fort, il est parti, genre, un quart de ton en dessous. Désolé pour les... Mais ouais, putain, c'est vraiment super cool. C'est trop, trop bien. Genre là, on a fait un toutes les pédales qui est pas dérangeant. J'ai pas fait un toutes les pédales. J'alterne entre les deux fuzz. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez de toutes ces belles pédales de chez Tamco. Vous pouvez les retrouver sur palf.fr, bien évidemment. Surtout la Hallbender qui en exclut sur notre site. Merci, Rodolphe, pour ça. Et voilà, on se quitte sur un toutes les pédales.